Salut à tous, c'est Brakissa sur Sport News Africa. Heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Rencontre avec. Notre invitée du jour est Rosemonde Kwasi. Salut Rosemonde. Salut. Peux-tu te présenter s'il te plaît? Rosemonde Kwasi, internationale ivoirienne, 21 ans. On passe tout de suite à notre première rubrique Entre nous. Rosemonde, peux-tu nous dire comment tu as eu envie de devenir footballeuse professionnelle? En étant petite, avec mes grands frères, ils partaient jouer les tournois, donc je les suivais matin, soir. À cause de ça, je ne restais pas à la maison. Donc un peu, ils m'ont appris comment à jouer. Puis il y a un des entraîneurs des centres de formation qui m'a récupéré. Et là, j'ai commencé à m'entraîner jusqu'à quand je jouais le milieu avec lui. C'est devenu plus sérieux à ce moment-là. Mmh. Je jouais milieu du terrain. Ouais. C'est quand je suis allée à Abidjan qu'ils m'ont fait changer de poste. D'accord. Devenir attaquante. Attaquante, ouais. Et alors, le poste d'attaquante, qu'est-ce que tu... Il te convient parfaitement? Ouais, ouais. Parfaitement. Et qu'est-ce que tu aimes bien alors, ce poste-là? Marquer des buts et faire des passes aussi. Ouais, d'accord. La première fois que tu as été intégrée dans un club, justement, donc tu nous disais à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu as ressenti que vraiment on a compris que tu prenais ce sport au sérieux, en fait? Ils m'ont dit que je partais à Abidjan pour compétir. J'étais heureuse, très contente. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, que je suis arrivée à Abidjan. Et de là, quand je suis arrivée, on n'a pas joué la compétition, on a joué une fois seulement. Puis on dit que le championnat est terminé, je suis revenue en famille. Mm-hmm. Ok. Et la première fois aussi où justement tu es arrivée donc, au FC Fleury dans le 91 ici en France, pour signer donc un premier contrat en professionnel en D1 française, quand même, qui n'est pas rien. Raconte-nous comment ça s'est passé pour toi de tout quitter justement pour la France. Qu'est-ce que tu as ressenti? Tes parents, ta famille? Bon, c'était pas facile. Ouais. Parce que j'étais partie jouer un tournoi, donc les gens m'appelaient pour venir, je ne me gagnais pas, tout. Donc si je ne vais pas, je n'arrivais pas vite, mon contrat était chose. C'est grâce à Mariam que le contrat a eu lieu, donc je suis vite venue et j'ai signé les papiers. Et alors, c'était pas trop difficile la séparation avec la famille, tes amis, tout le monde? C'était difficile, mais c'était très difficile. Mais il fallait faire. Mais il fallait faire. Et ton intégration au sein du club FC Fleury, ici en France, comment tu te sens dans le groupe? Ouais, je me sens bien, les filles nous ont bien accueillis, on s'est bien intégrés. Avec le temps, ils nous aiment. Oui, tout se passe bien. Oui, tout se passe bien. Tu es vraiment heureuse de jouer au sein de ce club. Oui. L'interview ne s'arrête pas là, puisqu'on passe sans plus attendre à la rubrique L'interview cash de Sport News Africa. Alors Rosemonde, avec ton ancien club, l'Africa Sport, tu as été donc championne de Côte d'Ivoire au cours de la saison 2020-2021. J'imagine que ça a été une joie immense et en même temps une certaine responsabilité, car tu deviens quand même un exemple pour de nombreux jeunes. Oui, c'était pas facile, mais j'ai porté l'équipe, on a joué, on était une championne de Côte d'Ivoire. C'est là que il a signé avec FC Fleury. Oui, mais alors, c'est pas la seule chose, c'est pas l'unique récompense que tu as reçue au cours de ta carrière pour le moment, car on peut le dire, tu es aussi donc la pépite du football féminin africain qui monte, puisque tu accumules donc les récompenses individuelles comme meilleure joueuse, donc on l'a dit, du championnat de Côte d'Ivoire 2020-2021, meilleur espoir du championnat en France 2021-2022 et meilleure joueuse ivoirienne à l'étranger toujours en 2021-2022. Est-ce que tu peux nous expliquer comment toutes ces performances individuelles se reflètent sur ton jeu collectif? C'est le travail et puis ceux qui m'accompagnent, ceux qui me soutiennent depuis le début. Mm-hmm. Et avec Mariam, ça va, elle me soutient. Ouais. Mariam Diakité, donc on le rappelle, qui est également dans ton club du FC Fleury ici, en France. C'est tous ceux qui m'accompagnent, c'est grâce à eux qu'il y a tous ces trophées aujourd'hui. Mm-hmm. Et les remercie pour tout. Et sur le terrain, alors concrètement, sur le terrain, quand tu es avec les autres joueuses, tu fais comment pour les intégrer dans ton jeu, pour que vous puissiez en fait faire un jeu, un jeu homogène en fait, que tout se passe bien entre vous? C'est la communication. Ah ouais, d'accord. Donc vous communiquez beaucoup entre vous. Mmh. Ouais. Et est-ce que vous passez, parce qu'on se pose la question, c'est vrai, est-ce que vous passez aussi en dehors des terrains beaucoup de temps ensemble pour apprendre à vous connaître, en club? Comment ça se passe un peu? Raconte-nous. Non, pas toujours.
Ouais. S'il y a une petite fête, on nous appelle, mm-hmm. on s'en va, quand c'est fini, chacun chez lui. Oui, mais donc c'est important quand même aussi de retrouver les filles c'est... hors des terrains, mm. Discuter ensemble, apprendre à se connaître, quoi. Mm. Mm. C'est quand même important. C'est très important, mais ce n'est pas toujours que les filles d'ici font ça. C'est quand il y a occasion qu'on se rencontre. Bah oui, parce que bien sûr, vous êtes là pour bosser hein, quand même. Il ne faut pas l'oublier. Alors, on a donc évoqué ton arrivée au FC Fleury, club avec lequel tu as prolongé jusqu'en 2025. Et selon toi, qu'est-ce qui a fait la différence pour que tu aies pu être repéré? Le travail et ma vitesse avec le courage de jouer au football, ma passion. Parce que tu es quand même jeune. Ouais. Tu as 21 ans. Donc, ça veut dire que lorsque tu étais... Enfin, j'essaye d'imaginer, lorsque tu étais à Abidjan, c'était foot, foot, foot. Tout le temps ça. Non, non. Non ? Non. Donc, tu te permettais d'autres choses, c'était pas que le foot ? Non. Bon, parfois, je suis là, je me promène, je veux pas... Si je veux, je vais à l'entraînement, si je veux pas. C'était pas seulement que du foot. Et pour terminer cette rubrique, dis-moi, quelle différence y a-t-il de jouer en club et en sélection ? Il y a une grande différence. En club, on apprend mieux pour aller en sélection, pour pouvoir grandir avant et puis maintenant, c'est pas pareil. Avec l'expérience ouais. du club et puis te placer sur le terrain, il y a une grande différence. Et dis-nous, il y a plus de pression à jouer en club ou en sélection ? En sélection. Pourquoi ? Parce que la coach écrit beaucoup. Ok, c'était un message que tu fais passer là. Alors, Rosemonde, la pression et le jeu ne font pas toujours bon ménage. Tu vas comprendre. C'est parti pour le quiz face à la rédac. Alors, dans le championnat de football masculin de Côte d'Ivoire en Ligue 1, qui est l'actuel tenant du titre ? ASEC. Tout à fait, l'ASEC Mimosa. 1-0 pour Rosemonde. Pourquoi la CAN masculine 2023 en Côte d'Ivoire a été reportée en 2024? Rosemonde. Non, j'ai perdu. À cause de la pluie. Effectivement, en raison de la forte saison des pluies qui touche le pays au cours du mois de juin et juillet. Et enfin, où se déroulera la prochaine CAN féminine 2024? Rosemonde. Au Maroc. C'est effectivement au Maroc, le royaume chérifien a déjà organisé celle de 2022. Résultat des courses, victoire haut la main de Rosemonde face à Cynthia. En tout cas, je ne dis plus rien. Merci Rosemonde de t'être prêtée au jeu face à notre rédaction qui, malheureusement, a encore une fois perdu. Alors, justement, on parlait de CAN, Rosemonde. Est-ce que tu penses, de CAN féminine d'ailleurs, est-ce que tu penses faire partie de la prochaine CAN avec la Côte d'Ivoire ? Seul le travail. Si je travaille dur, je pense. Mm-hmm. Et la Coupe du Monde ? Ouais, t'aimerais bien ? Ouais. D'accord, donc il va falloir... Bosser dur. Bosser dur. Ok, c'est entendu. On a aussi appris, Rosemonde, que le jeu FIFA 23 te mettait à l'honneur. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi ? J'étais très heureux. Pour la première fois, les filles ont les jeux FIFA 2023. Mm-hmm. J'étais très contente. À cause de ça, j'ai dit, je vais acheter la console. Ouais, pour pouvoir y jouer, ouais. Et selon toi, quelles sont les qualités de ton personnage dans le jeu ? Vitesse. Ouais, un avec peu comme toi, non, sur le trop. Terrain. Ouais. Et marquer des buts. Marquer des buts. Et dis-moi, croire en ses rêves, est-ce que tu penses que c'est important ? Oui, oui, c'est très important. Pourquoi ? Croire en ses rêves, c'est très important et ne lâche rien. Si tu veux réussir et croire en tes rêves, il faut bosser dur pour pouvoir y arriver. Mmh. C'est le conseil que tu pourrais donner à tous ces jeunes qui nous écoutent et qui nous regardent ? Oui, oui. Croire en ses rêves, tout devient réalité si tu crois vraiment en tes rêves. Et donc, tu as aussi prolongé donc, jusqu'en 2025, on disait, avec le FC Fleury en D1. Et est-ce que, passé cette date, tu as une idée où tu aimerais bien évoluer ? Est-ce que tu dois en France ou en Europe ou, Oui, oui, à part la France, il y a une idée en Angleterre. Ouais, en Angleterre, tu aimerais bien. Et quel autre pays ? L'Espagne ? Non, l'Angleterre. Ok, ça marche. Merci, Rosemonde. Merci, à vous.
On se retrouve pour la dernière partie de l'émission, en compagnie donc toujours de Rosemonde Kouassi. Dis-moi, Rosemonde, quel conseil tu donnerais pour réussir ces jongles? La technique. La souplesse. Tu peux nous faire voir un petit peu là ce que ça donne? Eh bien, comme tu m'as l'air bien échauffé, je te propose de passer tout de suite au défi sportif. Le défi consiste à faire 10 jongles d'affilée. Rosemonde, est-ce que tu relèves le défi? Oui. Alors, on y va. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est rempli. Bravo, Rosemonde. À la prochaine pour la prochaine émission sur Sportif d'Africa. Merci. À bientôt. Bye bye. Mon amour, we die for ya. Kankwe, oh kankwe.